Bonjour à tous, on est de retour. 135ml avait fait une petite pause, mais on est de retour. On lâche pas. On vous l'a dit, la chaîne ne se termine pas pour autant. On n'est pas très assidus, c'est vrai, mais en tout cas, on tenait à vous remercier parce que entre la dernière vidéo qu'on a postée et celle-ci, je pense qu'on est 500 à 600 de plus. Vous êtes en tout cas 500 à 600 de plus abonnés. Ça nous fait super plaisir parce que voilà, nous on partage ce qu'on fait dans nos journées, dans nos soirées aussi. Donc on est content que vous continuez à nous suivre. D'ailleurs, aujourd'hui, pour faire un bon cocktail chez vous, on va vous présenter un nouveau partenariat qu'on fait avec une marque de rhum. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le site de ce rhum. C'est un rhum qui s'appelle Tidal. Tidal veut dire, c'est inspiré de tide, qui veut dire les marées. Et pourquoi? Parce que c'est un rhum qui est un petit peu salin, qui est un petit peu iodé, parce qu'ils utilisent une algue qu'on appelle la truffe des mers. On sait qu'il y a des rhums voilà, qui vont être plutôt sucrés, plutôt épicés, plutôt salés. Celui-ci est assez salé. Et on a voulu l'utiliser dans un cocktail qui est, en gros, on revisite un cocktail qui est déjà un cocktail revisité. Et lorsqu'on pense à du rhum, on pense très souvent à daiquiri. Là, on va revisiter un Papa Doble ou un Hemingway Special. Le Papa Doble ou Hemingway Special, c'est un daiquiri dans lequel normalement on trouve du jus de pamplemousse. Là, j'ai décidé de le faire avec un jus d'orange. Pourquoi? Parce que on pense que chez vous, vous aimez probablement le jus de pamplemousse, mais on pense que vous êtes plus à aimer le jus d'orange. Et surtout, potentiellement, il y en a parmi vous qui aiment bien avoir un petit jus d'orange le matin. Donc, une fois que vous avez cette petite bouteille de jus d'orange chez vous et qu'il vous en reste un petit peu pour le soir, voilà comment vous pouvez l'utiliser pour vous faire un bon petit daiquiri. On va commencer tout de suite. Donc, on va faire comme d'habitude. Dans notre shaker, on va commencer avec le jus d'orange. Je vais mettre 3 centilitres dans mon shaker. Jus de citron, 2 centilitres. On va mettre 1 centilitre ou 0,7 centilitres de sirop de sucre. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est à vous de voir à la maison en fonction de si vous avez regardé les vidéos précédentes et vous avez fait les cocktails et vous trouvez que vous préférez plus sucré ou moins sucré que ce qu'on fait, vous adaptez. On va mettre de la liqueur de marasquin. Donc, ou maraschino, hein, si vous préférez les termes traduits. On met 1 centilitre aussi. Et puis finalement, notre rhum. Pour un bon daiquiri, on va mettre 5 centilitres. Là, on va se faire plaisir. C'était une longue journée, il ne fait pas très beau en ce moment. On a du mal. Avec ce mois de février, on y va, on met 5 centilitres. Les glaçons dans le shaker. On ferme le shaker, on vérifie qu'il est bien fermé et on shake le plus fort possible. Hop, le shaker est bien frais, bien givré, on l'ouvre. On prend nos deux strainers, on va faire un double strain. Double strain, vous vous souvenez, c'est pour enlever les petits morceaux de glaçons cassés, mais aussi avec le jus d'orange, enlever un petit peu parfois cette pulpe qui peut être gênante quand on boit. Hop, on remplit notre verre, on va y mettre un petit zeste d'orange, pas trop gros, qu'on va juste exprimer sur le dessus, histoire d'avoir cette petite huile d'orange dans notre cocktail. Il est là, donc j'ai fait un tout petit, que je vais exprimer sur le dessus, je vais en mettre un petit peu sur le bord du cocktail, et puis après je le pose. Et on a notre daiquiri revisité, notre Hemingway daiquiri revisité. C'est un petit peu pour vous montrer aussi l'exemple, c'est qu'avec les daiquiri, vous pouvez vous éclater, vous avez compris la base. C'est du sucre, du citron et du rhum. Et après, à vous d'aller rajouter des ingrédients, faire avec ce que vous aimez à la maison, les sirops que vous aimez. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à le déguster. Hein. J'aime bien ce cocktail pour deux raisons. La première, c'est qu'avec Tidal, il y a un petit goût salé. Et d'ailleurs, vous allez voir que ça commence à se retrouver de plus en plus dans les cocktails. C'est soit une petite pincée de sel, soit une solution saline. Pourquoi? Parce que le sel est un exhausteur de goût. Et la deuxième, c'est parce que le jus d'orange, je pense que le jus d'orange n'est plus trop, ou en tout cas pas beaucoup utilisé dans les cocktails aujourd'hui. Parce que ça a été tellement utilisé au départ de recettes de cocktails. Vous savez, quand les cocktails étaient des sortes de mix de fruits avec des alcools au milieu, le jus d'orange était un peu la pièce maîtresse de ces cocktails-là. Donc je pense que ça a été un petit peu supprimé, un petit peu enlevé du paysage pour se différencier. Donc je trouve ça assez marrant de le remettre un petit peu au goût du jour. Donc à vous de vous amuser et puis déguster des bons petits daiquiris. Hein.